J'ai pas à raconter. S'il y a quelque chose que je suis sûr, c'est que j'ai pas à raconter. J'en ai marre de venir ici. Vous pourriez pas comprendre de toute façon. S'il était possible qu'un jour, un grand, il pourrait y comprendre quelque chose, ça se saurait. C'est justement parce que c'est pas possible qu'on raconte jamais. J'avais 6 ans quand j'ai compris que c'était pas possible. J'avais 6 ans, j'ai vite compris. Je me débrouille très bien tout seul avec mon père. Alors me cherchez pas des poux là où il y en a pas. Des poux, j'en ai plus depuis mes 6 ans. La dernière fois, maman m'a rasé la tête et elle n'en pouvait plus. Et ça a réglé le problème une fois pour toutes. Et moi, j'ai vite compris que j'en aurais plus. Des poux. J'ai rien raconté, j'ai pas raconté. Il y a que les grands qui racontent. Parfois. Même des conneries, hein. Et vous pourriez même les croire. C'est fou, on peut toujours deviner ce que vous allez faire, vous, les grands. Comme si Billy, elle savait pas que son père allait encore être désolé, encore et encore. Comme si Nico, il savait pas que sa mère allait lui sourire à la cantine. Mais alors, à quelque part, je peux la comprendre. Maman, je vais pas dire que j'ai été surpris hein, qu'elle ait pas resté. Mais j'ai pas à vous raconter, y a vraiment rien à raconter. Faudrait pas nous prendre pour des fous. C'est pas parce que je suis petite qu'on est fou. Mais là, tout le monde est tenté de nous prendre pour des fous. Parce que les enfants, ça voyage pas. Même si dans la réalité, on voyage tout le temps. Dans la tête. Mais ça compte pas. On avait dit qu'on irait en Amérique. Dans l'Arizona. Gus avait dit que sa mère était déjà allée en Amérique pour y faire du travail, alors nous, l'Arizona, on s'est dit que c'était plutôt bien. On s'est même dit que c'était super. Moi, l'Amérique, je l'avais vue qu'à la télé, alors ça m'a beaucoup tenté, comme quand on voit des trucs super derrière les vitrines, mais qu'on peut pas les prendre parce que c'est pas Noël. Et puis, l'Arizona, ça respire l'aventure, et moi, j'avais envie d'aventure. Et j'avais du mal à respirer. Tout le monde dit qu'on n'est pas très normal d'être parti. Seul, comme ça. Mais c'est dire n'importe quoi puisqu'on était trois. Et que quand on est trois, on peut pas dire que c'est de la solitude.
De toute façon, ce jour-là, c'était la semaine de maman, et maman est jamais là quand il faut. Faut pas lui en vouloir, c'est pas vraiment de sa faute, mais du coup, on peut pas dire que c'était trop grave. Nico, il est venu avec nous parce que c'était juste pas possible de le laisser là. Il aurait eu trop peur sans nous. C'est pas qu'il sait pas se défendre, Nico, mais les autres lui prennent toujours ses affaires pour l'embêter. Parce qu'il est pas de chez nous. Enfin, pas vraiment. Il vient de la République moldave de Transnistrie. Je savais même pas que ça existait un pays avec un nom comme ça. Un pays. Enfin, si on veut, si j'ai bien compris. J'ai dû essayer au moins 100 fois avant de le dire bien. Du coup, il serait pas très protégé, alors autant l'emmener. Et puis l'école, lui, on peut pas dire qu'il la connaît pas, parce qu'être à l'école du matin au soir, c'est déjà pas facile. Alors si on y est du soir au matin, si je dis tout ça, c'est juste parce qu'il faudrait pas nous prendre pour des fous. Parce que ce jour-là, si le monde avait tourné droit, eh bien Gus, il aurait jamais eu l'idée de l'Arizona, et on aurait joué au jeu de notre habitude. Mais là, il avait fallu que le monde tourne à l'envers, encore une fois. Faudrait pas croire que parce qu'on est petit, on se laisse faire comme s'il n'était rien arrivé. Et puis l'Amérique, ça respire l'aventure. Et moi, j'avais envie d'aventure. Et j'avais du mal à respirer. Nico, c'est mon meilleur ami. Il a beau être nul au foot, c'est mon meilleur ami. J'ai bien aimé. Il y a juste le noir que j'ai pas aimé. La nuit, j'ai pas aimé. Même à la maison, j'aime pas la nuit. Je me cache dans mon lit. Je cache ma tête sous les couvertures et je sors plus. Je sors plus, hein, même si je dois faire pipi et que c'est très pressé, ben je me retiens. Je préfère rester là, sous les couvertures. Parfois, j'entends des bruits, bizarres, des bruits impossibles qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Mais je me dis toujours que s'il arrive quelque chose de grave, Batman pourra toujours me protéger. Alors je prévois toujours le coup, Batman dans mon lit, juste au cas où. C'est moi qui lui ai donné, j'en ai plus besoin. Il a dit qu'il pouvait s'en passer, parce qu'il devait bien apprendre à se passer de tout le monde, même de sa maman. Je me débrouille très bien tout seul avec mon père. Mais là, il n'y avait pas de Batman, alors j'ai pas aimé. Enfin, juste la nuit. La nuit, j'ai pas aimé, du tout. Billy, elle aimait pas trop non plus. Moi, j'ai fait comme si. Je me suis gardé la peur à l'intérieur, histoire de pas en rajouter. Histoire d'être à la hauteur. Parce que Gus, il avait autre chose à penser. À retrouver sa maman. Et depuis qu'elle est partie, c'est difficile. Et Billy, elle l'a bien compris. Alors, quand elle a parlé de l'Amérique... Les yeux de Gus, ils se sont réveillés comme avant, quand sa maman était là. Alors j'ai dit d'accord pour l'Amérique, même si moi j'aurais préféré l'Afrique pour les animaux sauvages. Mais dès que j'ai vu les yeux de Gus sourire, je me suis dit que je pouvais l'oublier, l'Afrique. Thank you.
Le train, j'ai bien aimé. Mais le contrôleur, j'ai pas aimé du tout. Il mesurait au moins 3 mètres. 2 mètres 50. Et puis après, c'était la folie. C'était comme dans les films. Par là! Suivi, on s'est réfugié dans les toilettes, quoi. Je suis pas asthmatique. J'ai parfois du mal à respirer, mais je suis pas asthmatique. Mon papa est asthmatique, mais pas moi. J'ai des problèmes de respiration. Et puis asthmatique et asthmatique, asthmatique, chronique et asthmatique. Mais de toute façon, je suis pas asthmatique. Je peux même faire un sprint, si vous voulez, pour vous montrer. J'ai juste un peu d'asthme, mais pas au point d'avoir toujours mon inhalateur sur moi. Billy, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. Elle est pas comme les autres. Même si elle joue pas au foot non plus. Elle a su dire presque aussi vite que moi, Transnistrie sans faute. Elle a même pu situer le pays sur une carte du monde, alors à moins que je me plante, il y a que Nico, Billy et moi qui savons où est ce pays au nom débile. Mais je me plante pas. Billy, il paraît que son nom vient d'une chanteuse américaine. Billie Holiday. Même si Billy, elle n'est pas, hein, américaine. Il paraît que ses parents se sont rencontrés sur une de ses chansons.
Comme dans les films américains que mon père, il dit que c'est vraiment n'importe quoi. Ceci dit, on peut pas dire que ça leur a porté bonheur, la chanteuse américaine. Même si ça a donné Billy. Et que Billy, bah, est pas comme les autres. Moi j'ai eu le temps de vivre autant de temps avec mes parents à la maison tous les deux que dans deux maisons différentes une semaine sur deux. C'est dire si ma vie elle est coupée en deux. C'est dire si j'ai eu le temps de me dire que je sais pas très bien elle est où ma place. C'est dire que parfois j'ai du mal à respirer. Et que j'avais besoin d'un peu d'air pour respirer, histoire de trouver ma place. De toute façon, ce jour-là, c'était la semaine de maman, et maman, elle est jamais là quand il faut, et on peut pas dire que papa, lui, il est là quand il faut, quand c'est sa semaine. Je sais pas pourquoi, mes parents, ils sont jamais là quand il faut. Déjà, à ma naissance, c'était pas vraiment quand il fallait. À ce qui paraît, papa et maman étaient trop jeunes. Déjà, c'était pas gagné. Hein. C'était un accident, du temps de leur jeunesse. Et que moi, je devrais faire attention dans ma jeunesse que ça m'arrive pas, mais pas de chance, j'étais là, et en avance. Et comme moi, je suis toujours en avance, c'était vraiment pas quand il fallait. Du coup, on pouvait pas dire que ça allait marcher, notre truc à trois, la famille, tout ça. Mais avec Gus et Nico, c'est pas pareil. Quand on était à trois, c'était pas de la solitude. C'est trois à la vie, à la mort, où chacun a sa place d'être. Et du coup, moi j'ai la mienne de place d'être. Et ça, ça vaut le coup. Alors l'Arizona, on peut dire que ça me tentait plutôt fort. Et avec Gus et Nico et l'Amérique, eh ben, ça faisait vraiment Noël. Même si ça l'était pas. Ce jour-là, c'était la seule fois dans ma vie coupée en deux que j'étais pas en avance. Et même que j'étais pas là. Là où il fallait, quand il fallait. Ce jour-là, c'était la seule fois dans ma vie coupée en deux où j'ai pas dû attendre seule dans ma solitude qu'on vienne me chercher. C'était la seule fois dans ma vie coupée en deux où j'avais l'impression d'être tout en entier. Alors du coup, on peut pas dire que c'était trop grave. On peut même dire que ça valait le coup. Parce qu'après le train, Gus, Nico et moi, on a senti la liberté. Sauf avoir faim. La faim, j'ai pas aimé. Mais pas aimé du tout. Et là, j'ai eu très faim, mon ventre, il s'est mis à crier. Et avoir faim, c'est pas dans mon habitude. À cause du travail de maman. La cantine. Je la connais, hein. Comme ma poche. Même les endroits où c'est interdit. Je l'aime pas, la cantine. Mais là, au moins, j'ai jamais faim et j'ai pas le ventre qui crie. Oui, la faim, j'ai pas aimé. Mais pas du tout.
depuis maintenant plus de 12 heures l'inquiétude grandit malgré une mobilisation importante des services. Tout le monde dit qu'on n'est pas très normal d'être parti. Seul, comme ça. Parce que les enfants, ça voyage pas. Même si dans la réalité, moi je voyage tout le temps, d'une maison à l'autre, d'une semaine à l'autre, mais ça, il paraît que ça compte pas. Son vrai nom à Nico, il est pas mal non plus, hein. Nikolai. Bah, j'ai vite compris qu'il survivrait pas les récréations sans moi avec un nom pareil. Alors j'ai vite fait d'imposer Nico à tout le monde. Même aux grands. Mais quand même, pour Nico, les récréations, c'est pas cool. Pas cool. Ce jour-là, il a fallu que les grands recommencent. Hé, hey, Transsinistrée. C'est d'où que tu viens, Transylvanie, pays du Transat, pays d'où on fait que dalle, Il a fallu qu'il recommence, comme chaque fois, à l'embêter Nico, dans la cour et devant tout le monde. Alors comme nous, c'est pas de la solitude et que c'est à la vie, à la mort, et ben Gus et moi, on s'en est occupés. Faudrait pas croire que parce qu'on est petit, on se laisse faire quand il arrive quelque chose de pas très normal. Et là, c'était pas très normal. Et encore moins quand on s'est retrouvés à nous trois, à la punition. Et même si j'ai pas d'asthme, là pour le coup, j'ai tout fait. Alors Gus nous a parlé de l'Amérique, où il y a sa maman. Histoire qu'on respire un peu. Le problème avec l'Amérique, c'est qu'il faut traverser un océan. L'Atlantide. C'est Billy qui l'a dit. Et Billy, elle s'y connaît. Hein. Mais moi, j'aime pas l'eau. J'ai jamais aimé l'eau. À l'école, je dis que j'ai des verrues pour pas aller à la piscine. Comme je peux pas dire que j'ai oublié mon sac de natation, sinon papa le ramène vite fait, et ça, c'est encore pire. Ses parents, ils travaillent à l'école. Ils habitent là. Nico, il croit sa mère à la cantine tous les jours. Alors, je dis que j'ai des verrues et ça marche. Et comme si ça suffisait pas, elle lui sourit. Elle lui sourit. Mais pour l'Atlantide, mon truc des verrues, ça a pas marché. Heureusement, l'Atlantide, on l'a jamais vu. Et l'Amérique non plus. Mais j'aime pas l'eau. Mais pas du tout. Ceci dit, je me demande quand même si c'est pas mieux de voir sa mère à la cantine tous les jours devant tout le monde que de pas la voir du tout. Thank you.
Moi, je sais vite dire quand c'est pas très normal. C'est facile, c'est quand j'ai du mal à respirer. Même si dans la réalité, je suis pas asthmatique, hein, mais... Mais le jour de la punition, il n'y avait pas que moi qui étouffais, parce que ça, c'est ce que j'appelle de l'injustice. Nico aussi, il avait des problèmes de respiration, et l'injustice, lui, si, c'est sa spécialité. Et Gus qui manquait d'air, c'était pas nouveau. C'était depuis que sa mère était partie. Et que ça faisait plus de place à la maison, mais qu'on y respirait plus mal. J'ai vu un film avec mon père. Un film américain. Et la mère, elle était partie comme ça, en laissant le père et son fils. J'ai pas pu voir le film jusqu'au bout parce que ça m'écrasait au fond de moi. Et mon père, ça l'a rendu fou, il a plus parlé pendant des jours. Alors je peux vous dire que c'était vraiment pas très normal. Et j'ai dit que, comme c'était à la vie, à la mort, on allait prendre en main notre situation. Alors on a décidé qu'on partirait en Amérique. Et avec un peu de chance, on retrouverait la mère de Gus, vu qu'elle était en Amérique. C'est son père qui a dit ça quand elle est partie. À ce moment-là, on pouvait pas savoir qu'il l'avait dit en l'air. Gus, il savait que pour aller en Amérique, il fallait traverser un océan. Parce que sa mère, elle disait toujours, du temps qu'elle était encore là, qu'il faudrait mettre un océan entre son père et elle. J'ai pas à vous raconter, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Y'a vraiment rien à raconter. Elle est plus là. Un matin, elle était plus là et c'est tout. Je vais pas dire que j'ai été surpris qu'elle ait pas resté, j'avais 6 ans quand j'ai compris. Billy, elle dit que c'est pas de sa faute. Qu'il faut comprendre. Faut la comprendre. Alors je comprends. Moi j'avais eu le temps de vérifier sur la map monde qu'il était bien là, l'océan, l'Atlantique. Alors c'était facile. On s'est dit qu'on irait à la mer. Pour le bateau. Pour l'Atlantique. Le problème, c'est que finalement, c'était pas si facile que ça. Et que Nico, il a fini par avoir du mal à garder ses larmes à l'intérieur. Parce que c'était pas si facile d'aller en Amérique. Et que l'Atlantique, finalement, ben... On l'a jamais vu. Et j'aime pas ma classe. Moi, j'aime bien les balades. Et l'école, j'aime pas. J'ai jamais aimé l'école. Alors, une balade en Amérique, je me suis dit que ce serait une super chouette balade. Surtout avec Gus et Billy. Et Gus, j'aime bien. Gus, il sait faire des choses que les autres, ils savent pas faire. Comme embrasser son coude. Et j'ai déjà essayé, je sais pas le faire, mais Gus, il sait. Et Billy, c'est ma meilleure amie. Je l'aime bien. Comme Gus. Et comme la dame. La dame dans la rue. Qu'est-ce que vous faites là? Vous vous êtes perdu? Elle était bizarre. Et moi, j'aime pas ce qui est bizarre, mais elle a dit qu'elle, son travail, c'était la nuit et les hommes. Quelqu'un sait que vous êtes là? Finalement, elle était plutôt gentille, la dame. Même si sa bouche, elle était super rouge. Oh, mes petits chats. Moi, j'aime bien le rouge. C'est la couleur que je préfère avec le vert. Quand elle a dit qu'elle allait nous amener à la police parce que... Parce que vos parents doivent être fous d'inquiétude, de ne pas vous voir dans vos petits lits, en pleine nuit. J'ai pas aimé. Parce que Gus, il n'avait pas encore retrouvé sa maman. On n'avait même pas encore vu l'Atlantide. Mais j'ai un peu aimé quand même parce que moi, j'allais retrouver la mienne. De maman.
J'adore. Mais t'inquiète pas, je vais revenir. Mais tu sais bien, comme dans les films américains. Dans les films américains, on revient toujours. Dans l'affaire des disparus de deux des trois enfants ont enfin été retrouvés sains et saufs. Ceci dit, là pour le coup c'est un peu grave parce que Gus maintenant on sait pas où il est. Et nous c'est trois à la vie à la mort. Et là on n'est plus trois. Et Gus il veut juste retrouver sa maman. Et ça servait à rien qu'il aille parler de son problème toutes les semaines. Gus, il veut juste retrouver sa maman. Quand il l'aura retrouvée, il reviendra. Il ne faut pas s'inquiéter. Il reviendra. Il m'a dit qu'il reviendrait. En Amérique. Elle est en Amérique. C'est mon père qui me l'a dit. Arrête de pleurer, elle n'est plus là ta mère, elle était pas prêt de la voir, alors arrête tes gamineries, hein. Non, tu peux pas lui téléphoner, elle est plus là. Oh, t'as pas fini, bah tu sais quoi, elle est en Amérique, hein. Elle est plus là. Un jour, j'irai en Amérique, la retrouver. Avec Billy et Nico, on s'enfuira tous les trois. À trois, on est plus forts. On trouvera un moyen. Ouais. Alors, ce sera comme au cinéma. L'Amérique pour de vrai. Et ça, c'est un vrai pays où il y a maman. Elle me reconnaîtra. Hein. À cause de mon bonnet. C'est elle qui me l'a fait, alors forcément, elle me reconnaîtra, c'est obligé. Et puis là-bas, il n'y a pas que Nico qui sera étranger, on le sera tous les trois. Et Billy, elle pourra rencontrer Billy Holiday. Faut juste qu'on trouve le moyen. Oh, mais de toute façon, j'ai pas à vous raconter. C'est pas parce qu'on m'oblige à venir vous voir toutes les semaines que j'ai à vous parler. J'ai rien demandé, moi. Parce que ça va très bien à la maison. D'ailleurs, avec mon père, on regarde souvent des films. Oh, un jour, on a vu un film américain. Les gars, ils étaient emprisonnés en pleine guerre. La Grande Évasion. Ouais, ça s'appelait La Grande Évasion. Et ils s'enfuyaient en creusant un trou sous terre. Ils avaient trouvé un moyen de partir. Et mon père, il dit que ça, c'est du cinéma, du vrai. Alors je me dis que Nico, Billy et moi, on y arrivera. Il faut juste qu'on trouve le moyen. Ouais. Un jour, on ira en Amérique. Et je la retrouverai.